Et nous, malheureusement, notre business, il est là, vous voyez. C'est quoi votre business? Le business, c'est pêcher. Qu'est-ce que vous pêchez, là? Des dorades, c'est pour ça, des gros poissons, quoi. D'accord. Des pagres, des dentis. Enfin, on pêche un peu ce qu'il y a aussi, hein. Surtout, ouais. Et il y en a beaucoup encore? Ça dépend des saisons. Ça... Bon, il y a des fois où il y a encore des belles pêches. Il y a des fois où c'est moins bien. Non, mais ça va encore. Vous voyez, vous veniez me filmer pour le grand débat, mais bon. Non? Ah. Ouais, mais l'hameçon jaune fluo, ça marche pas forcément très bien, non? Attention, je suis un peu le patron. Attention, ce monsieur, c'est un député de Macron. Hein. Ça se pêche comment, le calmar? Au chalut avec le chalut. Au chalut? Ouais. Mais c'est bien d'avoir un grand débat. Pour lui. C'est vrai. C'est bien d'avoir un grand débat, mais c'est mieux une grande pêche. Oui. Moi, j'ai rangé mon téléphone. Sinon, je vous aurais fait voir les petits derniers, la pêche qu'on avait fait. C'est lequel votre bateau? Ah, c'est la vedette, la petite vedette. Là. Vous voyez. La Luton? Voilà, c'est le. C'est inaperçu. Ah, vous êtes carrément sur du moderne là. Je croyais que c'était la vedette de la SNSM. Ah, c'est une ancienne. C'est une ancienne. Ah, quand même. Ouais. Ah, c'est pour ça. Eh ouais. Ah, vous n'avez pas vu. C'est un balcon à vendre, c'est les balcons. Hein. C'est voilà. Voilà, je suis comme ça. C'est un peu ça, c'est des pâques, ça, c'est des pâques, voilà. Ouais, c'est des poissons dorades, entre 1,5 kg, 800 grammes. Voilà, c'est que, avec ça, on prend principalement que des beaux poissons. Voilà. Que des beaux poissons. Ah, c'est bien. C'est cool, hein. Une bonne sortie, c'est combien de kilos de poissons? Bon, si on ne va pas parler comme ça, on va dire, à partir, c'est rentable à partir de... Il faut quand même avoir au moins une quinzaine de kilos. Quinzaine de kilos. Ah, quand même, ouais. Ça suffit, ça commence... Voilà, disons que c'est, ça commence à être rentable, vous payez vos frais, tout ça. Après, en deçà, c'est... Là, vous avez perdu votre temps, en deçà. Ouais, en deçà, voilà, c'est, on est sorti, mais bon... Merci, c'est bien, mais on aurait mis plus de poissons. Ouais. Il y a encore du poisson ici, quand même. Je vous dis, c'est le poisson, il est... On va dire il est migratoire, donc il y a des saisons où il y en a, où après il n'y en a pas. Après il y a des années où il y a une variété qu'on ne voit plus, et puis l'année d'après il y en a beaucoup. C'est très compliqué, on ne connaît pas bien quand même le cycle de certains poissons. Hein. Mais enfin le quantitatif quand même il a diminué. Et les années ça diminue, hein. C'est beaucoup pêché. Il y a beaucoup de plaisanciers, il y a aussi beaucoup de professionnels. Hein, voilà. Donc, on va dire que dans l'ensemble, le quantitatif a diminué. Mais après, ça varie. C'est ce monsieur qui a tout pêché. Hein. Ah non, moi je suis le coupable. Non, lui. Ah lui, d'accord, je crois que vous m'accusiez moi, parce que moi je vends des bateaux de pêche. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Mais pour plaisanciers. Ah, vous venez, les plaisanciers, alors, c'est pas des racleurs d'océan. Des arbres. Non, pas des arvores, non, des octos. Ah, des octos, oui. On va être obligé d'y retourner. Et on a beaucoup de pêcheurs passionnés, mais bon, ils ne ramènent pas 15 kilos. Hein. Tu vois, donc les dorades sont montées à la strouille. D'accord. On est d'accord. Je vois que c'est le sport favori des Français, c'est un petit peu de... Ah, ouais.
d'être borderline. Les anciens qui sont faits, c'est bon, hein, la pêche. Ah, oui, oui. Ouais. Celui qui m'a appris à pêcher, moi je ne savais pas pêcher. Enfin, il m'a appris, il m'a montré, hein, j'ai pas appris. Vous êtes de quel côté ? La Rochelle. Ah, de La Rochelle, c'est magnifique. Ouais. Bah, c'est de l'Arcachon, tout ça. Ah, il y a une fille de chez vous qui passe à la télévision ce soir. Ah bon ? Il y a deux jolies marques. Laquelle ? Ah ouais. C'est tombé. Thank you.